Voilà, moi, David Abassi, j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 14 ans. Et je suis très content de ça, puisque c'est nos ancêtres toujours en étaient comme ça. Les stages pratiques, on le commence tout de suite. Je travaillais et je faisais en même temps mes études. Alors, entre 15 et 21 ans, j'étais patron de plusieurs endroits. Ici, c'est Esther du Charrière. C'est un centre de production de cassettes. Là, ici, c'était mon restaurant Bagues et Sables, toujours à Machad. Ici, c'était mon nightclub Wienerwald, à droite, c'est moi. Et là aussi, c'est à droite, c'est moi avec mes employés, c'est toujours à Wienerwald. C'était un nightclub. Nous servions à l'époque là-bas le vin qui était interdit à Machad. Ici, je suis avec mon frère. Et tous les soirs, on avait les musiques. J'avais une équipe de 5 à 6 personnes, mes musiciens. Ça, c'était mon bureau, juste en face de la piste. Et là, vous voyez, à côté de moi, toujours, il y avait un policier comme bodyguard, puisque ma ville natale, c'était Machad. Et à Machad, vendre des vins d'alcool et avoir des musiques, c'était interdit. Mais le préfet, il m'avait autorisé. En même temps que j'étais journaliste, que je faisais mes études, je faisais ça aussi. Alors, j'avais une usine de fabrication de pain, j'avais un supermarket, petite supérette, on peut dire. Et je publiais un journal là-bas, journal Ershad, que je l'avais même publié après ici, mes chers amis. Voilà, avant de quitter mon pays, exactement, j'avais 5 à 6 grands business en Iran. Ici, c'était mon bureau. Vous voyez mon journal sous mes mains, le journal Ershad, que le journal, il devient interdit après la révolution islamique. Et j'étais condamné. Et après, je suis obligé de quitter. J'avais un hôtel là-bas aussi, hôtel Jérusalem, à Machad. J'étais obligé de laisser tous mes biens et prendre la fuite pour sauver ma peau. Et j'ai sorti d'Iran à l'époque. Sans aucun doute, j'ai pu ramener un peu d'argent grâce à ma mère et mon père qui étaient assassinés un an après. Et dès que j'arrive à Paris, ça c'est toujours là-bas, à l'âge de 17 à 18 ans, dans mon restaurant Wienerwald. Dès que j'arrive à Paris, je commence à travailler exactement comme ma jeunesse là-bas et j'ai fondé le journal gratuit de petite annonce Étoile. Étoile, comme vous le voyez, c'était le premier journal de petite annonce en 1983 en France. Aucun des journaux Télestar ou je ne sais pas quoi que vous voyez aujourd'hui, il n'existait pas encore. C'était mon journal Étoile, le premier journal de petite annonce, qu'en même temps qu'on avait des petites annonces de 4 chaînes de télévision de l'époque, après c'était fait 5 chaînes, et on avait des petites annonces aussi dedans, et j'ai commencé à publier ça. En même temps, je veux fonder Édition Étoile. Mon bureau est 183 rue Championnet avec mon journal de petites annonces. Après Édition Étoile, qui va publier des livres et surtout mes livres, puisque je suis actuellement un écrivain d'environ, j'ai écrit 130 livres. Alors, Édition Étoile, il va prendre beaucoup de place en beaucoup d'endroits, on va dire en France, à Paris. Édition Étoile Championnet, ici c'est 80 rue de Ménilmontant, Édition Étoile, et après Édition Étoile rue de Belleville, numéro 83 rue de Belleville, 80 rue de Ménilmontant, après on va aller aux Champs-Élysées, 66 avenue des Champs-Élysées, toujours Édition Étoile, et en même temps je vais ouvrir plusieurs restaurants. On peut dire ici, et du Sud Étoile aussi, ça va élargir à Nogent-sur-Marne, à Paris et 18e, à Paris et 15e. Et en même temps, je publie journal Ershad et journal Kayhan et Jahani, et bien sûr un autre mensuel, Homa
H-O-M-A, Oma, comme vous pouvez constater. Et que le journal est short jusqu'à aujourd'hui, que nous sommes en 2020, ça continue à être publié ici en France, en deux langues, perse et français. Alors, Édition L'Étoile aussi, c'était une maison d'édition. En même temps que je publiais le journal L'Étoile de Petite Annonce, on faisait d'autres choses. Là, ici, c'est mon restaurant en France, à Paris. Là, ici, c'est mon restaurant. Ici, c'est Édition L'Étoile, Paris 20e. Là, c'est mon restaurant Assiette Impériale ou chez Esther Omar Khayyam. Là, ici, c'est Club Restaurant Bonaparte, place de Clichy, comme vous voyez, tellement chic. On a organisé beaucoup de dîners, débats là-bas. Là, c'est mon bureau au 66 avenue de Champs-Élysées, qu'on faisait chaque mois des réunions avec des petits comités. Là, je suis médaillé grâce à toutes mes inventions que j'avais fait, puisque c'est moi que je suis inventeur de PAO en France et fax et service en France. Ça, c'est toujours le restaurant Bonaparte, place Clichy que j'avais. Et ça, c'est notre copie service à 66 avenue de Champs-Élysées. Je suis inventé également le premier cybercafé en France, à Paris 15e, au 66 avenue de Champs-Élysées. Inventeur de conception PAO, publicité assistée par l'ordinateur, en 1984. Premier PAO dans le page jaune, c'était les 5 boutiques que moi j'avais, et j'étais médaillé en plusieurs reprises. Là, c'est des conférences qu'on donnait toujours dans mon restaurant Assiette Impériale. Ça, c'est le restaurant Persepolis que j'avais au 66 avenue des Champs-Élysées. C'est toujours 66 avenue des Champs-Élysées. Eric Arcand, un grand musicien. En même temps, c'est ma fille Morgane, elle vient de naître en 1992, toujours chez Persepolis. Et là, vous allez voir un grand chanteur perse, Golpa, le maître de Charles Aznavour. Ici, c'est toujours des grandes personnalités perses qui viennent des Américains, des Amériques et de la France. Là aussi, c'est toujours devant notre restaurant Persepolis au 66 avenue des Champs-Élysées. Ça, les copies service et 3-4 boutiques qu'on avait au 66 Champs-Élysées à l'époque. Et maintenant, tout ça s'était détruit dans un reportage de télévision français. On voit tout ça. C'est Vigen Derdelyan, un grand chanteur perse. Et c'est un maître, Cyrus Afhami, de la lettre persane. Qui sont dans mon bureau. Alors, à Paris, j'avais, comme je vous ai dit, plusieurs points de vente, restaurants, cybercafés, etc. Mais tout ça, à côté de tout ça, j'avais des activités bénévoles. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue mes activités journalistes, radio, télévision. J'ai interviewé plusieurs dizaines de personnes, mes chers amis. J'ai commencé collaborer et travailler avec Radio ici maintenant dans les années 80, et après j'ai fondé mon télévision Mère TV Persian CNN, diffusée dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est diffusé jusqu'à maintenant. Actuellement, on diffuse en trois langues: perse, français, arabe.